Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve pour comprendre les changements climatiques, les changements sociaux, les changements économiques, les changements aussi, et oui, politiques majeurs qui s'en viennent. Préparez-vous. Si vous ne savez pas c'est quoi vivre dans un régime totalitaire, vous allez le savoir bientôt. Ça, c'est sûr et certain, je peux vous le garantir à 100% sans avoir peur de me tromper. Avez-vous vu la radicalisation des gens, la polarisation? Avez-vous vu les, les comportements de ces gens-là et de nos élus et de nos élites qui ne se comportent pas comme des gens tolérants, qui aiment dialoguer, qui aiment échanger, qui aiment la différence Eux autres, ils aiment l'uniformité et la conformité et ça a un prix, la tyrannie. Chers amis, on est le 30 mai 2019, 17h31 au québec Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à trouver l'explication psychiatrique, le diagnostic psychiatrique des 500 ou 600 000 Français qui ont voté pour le parti animalier. En tout cas, eux autres, ils vont s'en faire passer des sapins. S'ils sont capables d'avoir été convaincus de voter pour le parti animalier, je peux vous dire une chose, ces gens-là devraient être Interdit de voter, mais enfin, ça, c'est mon opinion. Pendant ce temps-là, ceux qui s'intéressent à l'archéologie, eh bien, il y a une découverte des plus incroyables qui vient d'être faite. En Sibérie, imaginez-vous, des squelettes mystérieux d'un ancien chaman, hein? Qui, on, on les daterait de plus de 5000 ans, qui portaient des lunettes de bronze. Des lunettes de bronze, imaginez-vous. Les archéologues ont mis à jour deux sites. Funéraire remarquable de l'âge de bronze en Sibérie, chacun contenant les restes d'un chaman doté d'un étonnant un attirail. Étonnant L'un de ces anciens prêtres a été enterré dans un costume composé d'environ 50 becs d'oiseaux, tandis que l'autre a été retrouvé avec une paire de ce qui semble être des lunettes en bronze. On peut voir le squelette ici. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Le squelette a été trouvé dans, avec un collier de plumes, institut d'archéologie et d'ethnographie euh, de Novossibirsk, l'époque sibérienne. Les deux squelettes ont été découverts sur le site archéologique d'eustartas dans la région de Novosibirsk, en Sibérie, où plus de 30 autres sites funéraires ont été déjà fouillés. Cependant, Lilia Kobeleva de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie a déclaré à The Siberian Times que rien de ce que nous avons découvert auparavant n'était aussi impressionnant que les découvertes de ces deux tombes, ajoutant que les deux hommes devaient avoir joué un rôle très spécial dans la société. On pense que les becs qui ont formé les becs d'oiseaux qui ont formé le costume de cérémonie provenaient de hérons ou de grues, bien qu'ils n'aient pas encore été complètement examinés et analysés l'accessoire Avière était placé à l'arrière du cou et du crâne de l'homme, ce qui selon Ko Kobeleva pourrait indiquer qu'il s'agissait d'une sorte de collier protecteur. Mystérieux chemin homme-oiseau euh, découvert en Sibérie. Wow. Les chercheurs prévoient maintenant de passer des mois à séparer des, les plumes avec précaution afin de déterminer le nombre exact et de savoir comment ils ont été fixés car aucun trou de fixation n'est visible. Quant au chaman aux chamans, nos lunettes de bronze, le deuxième squelette, situé dans une tombe à plusieurs étages, situé à proximité, où deux enfants qui auraient eu cinq et dix ans quand ils sont morts ont été enterrés au sommet d'un diviseur en bois. Sous cette cloison se trouvait le squelette d'un homme adulte avec une paire de ce qui ressemblait à des lunettes à côté du crâne. Wow! Serait-ce une paire de lunettes vieilles de 5000 ans Il semblerait que oui. Bizarrement, hein Cette ancienne lunetterie se compose de deux hémisphères de bronze et d'un pont de bronze. Bien que les archéologues ne sachent pas si l'appareil faisait partie d'un masque funéraire ou était lié à la pratique spirituelle de l'homme de son vivant, d'autres objets cérémoniels, ou cérémoniels notamment, cinq pendentifs en pierre en forme de croissant, ont également été trouvés à côté du squelette. On estime que ces deux individus intrigants ont environ 5000 ans et appartiennent probablement à la culture audinove qui prévalait dans la région, bien que le véritable objet des, euh, des, le, le, la véritable nature des objets trouvés dans ces tombes reste un mystère. Ils fournissent au moins quelques indices fascinants sur les pratiques sociales et religieuses de cet ancien groupe de chasseurs. Vraiment, les lunettes, là, c'est quelque chose de assez vraiment renversant. Je vous reviens.